Bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver enfin pour cette vidéo qui sera donc une vidéo vlog. Donc je vais vous parler du fameux concours que j'avais organisé sur ma chaîne donc pour ces 2 ans. Je vais vous expliquer pourquoi ça a tardé, ce qui s'est passé, ce qui va se passer, comment ça se passe. Donc c'est parti, je pense pas que la vidéo va être trop longue, mais j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Donc dans un premier temps, je tiens à vous remercier pour toutes vos participations, puisque du coup vous avez été quand même quelques-unes à participer. Alors je vous avoue, je suis un petit peu déçue par rapport au nombre de participantes parce que j'ai dû avoir une petite trentaine de participations, alors que jusqu'à présent pour les concours que je faisais, où du coup j'avais moins d'abonnés puisque c'était il y a quelques mois, j'étais plutôt aux alentours de 150-200 participations de mémoire, au moins une bonne centaine sur, ouais, au moins une bonne centaine sur, on va plutôt dire 100-150. Là, du coup, d'avoir à peine 30 personnes, j'avoue que j'étais un petit peu refroidie. Donc, apparemment, du coup, voilà, ça plaît à très peu de monde. Donc, je vous avais fait gagner, je vous offrais l'opportunité de gagner une box pour chien et pour chat que je confectionne moi-même, d'une valeur de 20 euros. Et bah, j'ai bien compris que, du coup, ça plaisait pas à beaucoup de monde. Celles qui ont participé, à qui ça plaisait, bah, je suis contente d'avoir fait quelque chose qui change de ce qu'on voit habituellement. Mais du coup, je ne pense pas réitérer l'expérience comme ça, puisque du coup, c'est un peu mitigé, mitigé. Hein. L'ambiance, c'était pas la folie du samedi soir, quoi. Donc voilà, je tiens quand même à vraiment remercier celles qui ont joué le jeu, qui ont participé. Je tiens aussi à remercier celles qui m'ont envoyé des messages, qui ont commenté sous la vidéo alors qu'elles n'ont pas d'animaux, qui m'ont simplement félicité pour les 2 ans de ma chaîne. Donc franchement, vous êtes des amours. Et qui m'ont remercié pour ce que je faisais, mais qui ne participaient pas parce qu'elles n'avaient pas d'animaux. Voilà. Donc voilà, aussi toutes celles qui m'ont contacté dans ce sens-là, je vous remercie énormément. Je remercie également énormément Coraline de la chaîne Coraline Makeup 57. Makeup Addict 57, j'ai un petit doute, puisque en fait c'est une personne qui est donc passionnée de maquillage, qui travaille pour Stella & Dot, qui est styliste Stella & Dot, et qui est complètement folle des animaux. Donc je la suivais depuis un petit bout de temps, et quand elle a eu sa portée de pincher il y a donc maintenant un an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça, j'étais complètement gaga devant ses photos sur Facebook. Et voilà, c'est une personne que je trouve vraiment hyper attachante, qui bah, les make-up qu'elle propose sont vraiment splendides, splendides, pardon. Et voilà, enfin c'est vraiment une youtubeuse que j'aime énormément suivre. Et bah, pour moi, elle a tout pour me plaire. Voilà, il y a du make-up, il y a de l'accessoire, il y a de l'animal. Tout est bien. Et du coup, je lui avais demandé sur Facebook si elle était ok pour partager ma vidéo du concours, et elle avait gentiment accepté. Donc franchement, voilà, Coraline, si tu passes par là, je te remercie encore une fois. Franchement, c'était hyper adorable de, bah, de me soutenir dans mon projet. Donc voilà, gros 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 bisous et merci encore une fois. Donc pourquoi j'ai tardé à vous annoncer les résultats? Tout simplement puisque je me suis un peu mal organisée. Si j'ai des concours à refaire à l'avenir, je les ferai pas durer aussi longtemps. Un mois, je pense que c'est trop long. Je pense que je partirai plutôt sur 2 bonnes semaines, 10 jours, 2 semaines. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que début juillet, je suis passée en horaire d'été. Autrement dit, je commence à 4 h le matin, donc je me lève à 3 h. Et l'après-midi, du coup, c'est vrai que je suis pas forcément hyper hyper active. Et donc voilà, ça a été un gros problème d'organisation. Et quand je me suis décidée à commencer à faire le traitement, tout simplement, de vos participations, eh bien mon ordi a planté et j'ai dû le formater, donc tout réinstaller. Donc ça m'a pris quand même plusieurs jours puisque je pouvais pas tout faire en une seule fois. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, les vidéos ont été un peu ralenties. D'ailleurs, ma dernière vidéo haul, j'avais dû vous la tourner aux alentours du 14 juillet, je tiens juste de vous la poster. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le décalage que j'ai avec YouTube. Donc voilà, là j'ai fait mon tirage au sort, j'ai déjà contacté les gagnantes. D'ailleurs, la gagnante de la box chat m'a déjà répondu, Sandy, si passe par là. Je vous mettrai du coup bah, le nom des gagnantes en barre d'infos, puisque du coup l'autre gagnante ne m'a pas encore contacté. Donc je pense qu'elle va le faire d'ici quelques jours. Voilà, je l'ai contactée que hier, donc forcément je laisse un laps de temps. C'est normal, c'est les vacances, donc tout le monde vit un petit peu au ralenti par rapport à Internet. Et donc voilà pour les gagnants. Donc, parce que vous avez quand même été pas mal à me demander ce que t'as annoncé. Donc voilà, oui, c'est annoncé. Le nom des gagnantes est en barre d'infos.
Je suis désolée si vous n'avez pas gagné, mais du coup, eh bien, on se retrouvera pour un prochain concours. Je ne sais vraiment pas quand, mais voilà, j'en referai. En ce qui concerne deux autres points, en fait, enfin deux autres points qui se rejoignent au final, j'avais prévu tout simplement de reverser les gains de ma vidéo à une association qui s'occupe d'animaux abandonnés ou à la SPA d'une façon plus générale. Et en même temps, du coup, j'avais dans l'idée en gros de vous faire une sorte de vidéo vlog où je vous aurais balancé un petit peu toutes les photos des participants de mon concours pour montrer des animaux heureux. Et du coup, d'enchaîner avec, bah voilà, moi, grâce à vous, je vais aussi pouvoir rendre heureux d'autres. En gros, c'était un petit peu ça l'idée, voilà, croquettes, paillassons, enfin, panier, tout ça. Voilà, tout ce que j'ai pu financer grâce à ma vidéo, voilà, ça va encore faire d'autres heureux, même si c'est pas le bonheur total puisqu'ils sont quand même en refuge, mais ça va contribuer un petit peu à leur bien-être. Sauf que, deux points. Sur les 30 participations, vous n'êtes pas nombreuses à avoir voulu que j'utilise les photos de vos animaux, soit on ne m'a pas dit clairement oui tu peux l'utiliser, mais vous êtes quand même pas mal à m'avoir dit par contre je préfère que la photo reste entre nous. Donc je conçois tout à fait que vous voulez pas que vos animaux de compagnie finissent sur internet, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais du coup enfin voilà de faire un diaporama avec bah, peu de contenant au final. Bah ça faisait un petit peu désuet et dans tous les cas je ne vais pas pouvoir faire de don à la SPA tout simplement puisque ma vidéo a été beaucoup moins vue que mes autres vidéos concours, il y a eu moins de participation mais elle a également été beaucoup beaucoup moins vue. Je vois ça par rapport à mon nombre d'abonnés tout simplement. J'avais moins d'abonnés, la vidéo était plus vue, j'ai plus d'abonnés, la vidéo est moins vue. Enfin donc voilà, ça crée vraiment un déséquilibre. Donc c'est pour ça que je me dis que tout simplement le sujet ne plaît pas forcément à beaucoup, mais j'avais vraiment envie de le faire, je regrette absolument pas de l'avoir fait, je voulais le faire, j'avais envie de faire... Bah, je fais pas comme tout le monde, moi j'ai pas envie de faire comme tout le monde, donc voilà, je voulais le faire, je suis contente, mais ça a pas été aussi bien que ce que je pensais. Tout simplement parce que du coup, en estimation de revenus, cette vidéo m'apporte 47 centimes de dollars. Donc c'est une estimation, donc de l'estimation... Non, dans l'autre sens. C'est du dollar, donc déjà du dollar à l'euro, ça baisse. Et donc de l'estimation au réel, ça baisse encore, donc sur les 47 centimes, je ne sais pas, ça va peut-être taper dans du 25 centimes à tout casser. Donc pour ça, je suis vraiment très très déçue, parce que bah, je m'attendais pas à récolter 200 euros, hein, clairement. Mais je pensais au moins, je sais pas, peut-être 5, 10 euros, ça aurait été pas mal. Et j'aurais complété, voilà. Donc voilà, pour ça, je suis vraiment déçue parce que je pensais que la vidéo aurait été plus partagée, aurait plus été vue, aurait vraiment eu un impact plus important. Donc bah tant pis. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Je me décourage pas, je me dis que j'aurai d'autres idées, que je vous proposerai d'autres choses qui changent de ce qu'on peut voir un peu partout. Mais bon, voilà, là, je vous l'accorde, je suis déçue. Mais bon, c'est la vie, hein. On repartira sur d'autres projets qui seront plus intéressants. J'espère que vous me suivrez, que celles qui m'ont suivi là me suivront encore. Mais bon, on va dire que c'est une semi-défaite. Et bien voilà, je suis désolée de ne pas vous apporter de nouvelles hyper réjouissantes. Je vous fais d'énormes bisous et donc on se retrouve très bientôt pour une vidéo qui aura un petit peu plus la pêche. Ciao!